Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mamie. Là tu te retrouves dans ta cuisine nanga, dans la sabino comment, na sa prête à pour la semaine, tant son nazan attend, né na la maka pour la semaine, na sa vraiment occupé té, comme c'est permettre nanga na sa ba vidéo nanga, na sa ba montage. Parce que ce qu'il faut la ba tout le jour, ils ont la nga très difficile. Alors ce que je fais, na prépare toujours repas pour 3 jours. Son la lambi boué après na jour na congelé. Normalement son la lambi lelo, le tout ça dimanche na pauvre. Sur la lundi les lots voyez donc on est a lundi mardi mercredi jeudi n'a pas ça ma pâte et puis tout ma patate et puis vendredi souvent tu commandes à car pizza tout au l'air en Libana. Alors on a décidé d'engager Bino juste pour la stabiliser vraiment pour la tenir recette comme telle mais juste pour vous montrer comment je m'organise pour ces menus à un peu plus léger, ok. Alors là maintenant la menu la bisou les lots non ça poisson non ça poisson rotumba. Et puis, on a la sauce. Sauce, on a souvent mis ça tout au balé. Alors, on a la sauce, on a la mienne, on a la après la journée, on a la bol, on a congelé. On a la pondou, on a la moussaka, on a l'épinard à moussaka. Donc, on a 200 légumes, on a la pondou, on a l'épinard, et puis on a la poisson, on a la sauce. Et même si c'est mercredi, j'ai dit, on a la sauce, vite fait, vendredi, on commandera souvent les bananes. Alors, on a décidé de faire un peu de temps, on a dit qu'il y a pour espérer, pourquoi pas, alors, tout va bien. Je suis ici, bonjour, Mona, je suis sur ma casse, il y a un peu de temps. Je suis sur ma casse, il y a un peu de temps. Je suis sur ma casse, il y a un peu de temps. Je suis sur ma casse, il y a un peu de temps. Et puis, je suis sur ma casse, il y a un alors, on a tiré piste la sauce sur la non, on a tiré piste la sauce sur la là. Oh là là. Et puis, on a tiré un mot, on a tiré ma tringoule là déjà. On a tiré ma tringoule là. On a boire un piment là. On a boire un mi-balé. On a céleri, il y a des feuilles. On a tiré un mi-balé. Et puis, on a tiré. 3 gousses d'ail et puis nous avons tiré et puis nous avons mis sur la mine aubergine aubergine dans la ngoyo donc le chat aubergine dans la dans la tibio on y en sort et il fallait. Je vais vous montrer comment faire la sauce. Je vais vous montrer comment faire la sauce. Par rapport à la quantité et la recette. Ce que vous voyez, c'est que vous avez un peu pendant au moins 45 minutes ou 30 minutes. Ce que vous avez un peu de temps, donc nous avons déjà ceci. Donc, vous voyez. Mai ne kumu kauka na baksa mai na chepe mai ngwe bele bele keke ku me bele bele no na nya pe soso na ngeza na sauce mingi te wana iza preference na mate donc soso na biso antene zo toka ko to yo to na ndunda na biso ndunda na biso ya mwe musaka to lamba deja mbis na ngaya ukaka yango deja to ki bien et lembi no ki triango apo na sabino ne to roja. Alors, ma foutre la piste à fond, double mise à la caméra et décharge à qui. Donc, du coup, moyen, ça va partir sur le dos là, mes invités. Alors, ma foutre la piste à fond, on a la carte, on a ma foutre à la fond.
Donc, il y a un peu de après, il y a un peu de pondre. Ah, on a katani nanga, na tu li tungulu, na tu na poaro, ya mulayi. Bobi poaro, non? Na tu poaro, na matungulu, nge na oka nyabwe. Après, na kuya kubwaka, na nini nanga la pondu nanga. C'est comme ça que nga sa la pondu nanga. Na kani nga mafuta nanga. Na kani nga ngo, il y a un peu après, sande, na ye kusoka. Les ingrédients sont dans le poireau, dans le tungulu. Après, on a écouté la pondu. C'est comme ça que nous avons la pondu. La pondu est en goyo. La pondu est en manguba, en moins chou. Donc, la pondu est chou, en manguba. Si vous voulez la recette est déjà en ligne. Si vous voulez la salle, la mienne prochainement, vous pouvez la commenter dans la salle. Voilà, alors, tout ça, on a un business. Poisson, on a un salle. Bientôt, on a un poisson, on a un poisson mingi. Poisson, on a un poisson en goyo, bien assaisonné. Côté on a même épiné à la cuisson, la camisa qui n'a pas de moussaka, n'a pas de moussaka, dans la lambi qui a épiné à mon régulier. Donc voilà, épiné à la cuisson, déjà la lambi, n'a si c'est ça épiné à mon régulier, n'a pas que l'ambi ça au cas au cas, c'est tout quoi. Épiné à la cuisson, déjà bien la qui. Donc on a essayé de vidéo, et ça n'a pas recette, mais là c'est mon caca. Bien, on a s'organisé pour gagner temps, comme ça, je vais te dire, on sait la vidéo. Donc la pauvre, on a dit, bis na biso angoyo pondu na biso ango bote apundwa mwana moto pondu na biso angoyo soso na biso makasi ya mwana pondu yo non sa la sauce nango donc voilà soso na biso yango ebeli mena le ba toujours na linga sauce nanga ezala vraiment sauce mingi te comme ezala accompagné de pondu to epina donc linga sauce nanga ezala boue. Exactement, de la sauce à Zalaka. Soso, yangoyo, et beli kitoko. Voilà, ce koto leka, koto ya. To leka, ce koto ya ndunda. Ndunda la biso na lambi, yangoyo. Ndunda pe beli bien. Koto pe, pondu na biso, pondu pe, et beli bien. Bon, moni pondu ne matana ki fini, ko soko lam ki fini ko. Moi, j'aime pas la soko lango, toujours parce que la ngomone loko ni zana kata vidéo. Pondu na biso angoyo, mbis na biso pe angoyo, mbis e beli kitoko. Donc voilà, et l'on a gana partagé na bino, dans la salle de nous conserver dans le bol et puis dans le congélateur. Alors là du coup, on va prendre le bol, on va commencer à conserver notre bouffe. J'utilise quelques bols et puis après je vais utiliser aussi le chassis Ziploc. Parce que souvent dans le frigo ou congélateur, on n'a pas assez d'espace. Donc du coup, sentez-vous vraiment libre d'utiliser le châssis Ziploc. Ça aide beaucoup et ça va vous faire gagner de l'espace dans votre frigo ou congélateur. Alors c'est comme ça que je fais. Je laisse d'abord les repas refroidir un peu et puis je mets dans les bols, dans les Ziploc. Vous allez juste voir comment je vais faire. C'est comme ça que j'essaie de m'organiser pendant la semaine, parce que si je dois cuisiner tout le jour, faire des vidéos, faire ce que j'ai à faire, je ne pourrais pas. Alors, je préfère cuisiner comme ça, conserver pour 3 ou 4 jours maximum. Et puis voilà, donc je vais décider de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Je sépare ça comme ça dans le châssis Ziploc, c'est par rapport à la quantité que nous allons manger.
Alors, juste pour éviter de congeler, décongeler, congeler, dégeler, moi je pense que ça abîme la nourriture. Donc, du coup, quand je mets dans les bags Ziplocs comme ça, dès que je sors ça, c'est juste pour une journée. Donc, par rapport à la quantité que nous allons consommer, s'il reste un peu, je mets dans le frigo. Si on le mange le même jour ou le lendemain, c'est tout. J'aime pas quand tu entres la nourriture dans le congélateur, tu dégèles, tu remets encore. Ce n'est pas bien pour la santé. Et pour me chasser Ziplocs, j'essaie de l'utiliser au moins 5-6 fois maximum. Et puis ensuite, je remplace. Tout dépend de vous, comment vous vous sentez. Mais moi, j'utilise comme 5, entre maximum 6 fois. Parce que je l'achète en gros chez Costco. Donc, ça vient comme presque 50 dans un paquet. Et c'est à 9,99$. Donc, du coup, ça ne me dérange pas de changer ça. Je n'arrive pas à utiliser ça plus de 5 fois ou 10 fois. Donc, tout dépend de vous. Si vous vous demandez combien de fois vous devrez garder le châssis Ziplocs. Donc, moi, je l'utilise au moins 5 à 6 fois. Et puis, je me débarrasse de ça. Là, je suis en train d'utiliser le châssis pour conserver avec la nourriture. Et j'ai opté pour ça juste parce que c'est le poisson. Dès que je mange le poisson, je jette le châssis et puis j'en finis tout de suite. Parce que j'aime pas l'odeur du poisson. Donc, du coup, je ne vais pas utiliser les Ziplocs. Donc, voilà. Donc, c'est un châssis que vous allez trouver dans le magasin Walmart, Costco. Vous allez trouver ça. En tout cas, c'est pas vraiment très, très cher. Donc, les choses comme le poisson, comme ça, je préfère utiliser ça. Et dès que je finis, voilà. Et voilà, on a fini, j'ai tout rangé. Alors, je vais vous présenter. Là, on a le poulet. Les poulets, je vais laisser dans le frigo, tout simplement parce que on va les consommer pratiquement tous les jours et ça restait pas longtemps en fait. 2 jours, c'est maximum. Et mais par contre, je vais aller congeler les épinards parce que on va les manger mardi. Donc, du coup, je suis obligée de garder ça dans le congélateur. Et voilà. Et ensuite, nous avons le pondu à côté. Le pondu qui est dans les bols, c'est les pondus que nous allons consommer dans les 2 prochains jours. Alors, je laisse ça dans le bol, dans le frigo. Voilà, c'est comme ça que le pondu se présente. Et ensuite, les pondus que je mets dans le Ziplocs, ce sont les pondus que je vais juste congeler. Donc, je garderai dans mon congélateur. Et le poisson est là, je garderai aussi le poisson dans le frigo. Donc, tout ce qui est viande, ça serait dans le frigo. Mais les légumes, je vais garder d'autres pondos dans le congélateur. Donc, voilà. C'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Et je trouve que c'est vraiment pratique avec les enfants. Au moins, j'aurai le temps de faire des devoirs avec les enfants, passer du temps avec les enfants, réaliser mes projets. Et voilà, mes réunions Zoom. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser vos pouces, vos commentaires et pourquoi ne pas partager, ça me fera énormément plaisir. Je vous aime beaucoup, merci pour vos soutiens, vos likes, vos partages. Ça me va droit au cœur, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. On se retrouvera très très bientôt. Merci. Thank you.